Coucou, tu veux voir ma vidéo? Elle commence très bientôt juste après cette intro de merde, mais n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner. Ok les joueurs, on se retrouve sur Handel Simulator, encore à l'entrée de l'école, mais cette fois-ci on est en semaine 2 parce que là, comme vous pouvez le voir, on a Amai et ce n'est plus le Amai Challenge. Oui, voilà, pour ceux qui étaient pas au courant, la grosse mise à jour, c'est que Amai est enfin sorti. Vraiment, ce n'est pas trop tôt. Bon, apparemment, c'est pas encore terminé à 100%. Après, on connaît Yandere Dev, effectivement. Par exemple, le doublage, eh ben, il y en a pas encore. Donc j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut espionner? On peut même pas espionner. Par contre, Ah oui, si je m'apprends... Ah oui! Mais on n'entend rien du tout. Ok, il y a aucune voix. Je pensais, tu sais, il y allait avoir une voix par défaut, mais en fait, pas du tout. Donc, je suis en train de découvrir avec vous, hein, c'est-à-dire que j'ai pas du tout testé le truc avant. Donc, voilà, bon, Amai, elle commence par direct... Attends, pourquoi la prof... Ah d'accord, ok, il y a... effectivement, j'ai vu qu'il y a des routines qui ont changé. Par exemple, les délinquants, ok, on a des... pas tout à fait des références, mais des points qu'on avait dans le mode 1989. Par exemple, voilà, des routines qui changent, là, ils s'amusent à lire. Pourquoi pas? Par contre, je me demande aussi... Ah, bah tiens, voilà. On a quand même la table avec une nappe un petit peu différente. Par contre, est-ce que je me demande si le chef club provisoire du club de cooking a toujours son brassard ou pas du tout? Comment ça se passe? Attends, déjà, ils ont changé leur routine. D'accord, donc en fait, Amai lui a donné le brassard pendant une semaine et il a dû lui rendre. Enfin, je suppose que c'est quelque chose comme ça. Par contre, les habitudes des Student Council sont toujours encore super relou. Est-ce qu'on peut activer par hasard le debug menu? Oui, mais bon, je vais pas l'utiliser encore tout de suite. Alors, par contre, Yandere Dev nous conseillait plusieurs choses. Déjà, d'assister à toutes les cinématiques d'Amai, mais je ferai une vidéo spéciale pour montrer toutes les cinématiques. Je ferai aussi une vidéo pour montrer toutes les méthodes d'élimination à la fin. Donc là, pour le moment, je sais pas du tout où est passé Amai, très certainement. Ok, donc je voulais la taguer, et là, bon, on a une phrase qui a été rajoutée. On peut obtenir des informations supplémentaires en la stalkant ou en achetant, pardon, les infos auprès d'InfoChan. Donc jusque-là, ça change pas d'habitude. Alors, elle est où? Ah, d'accord, je sais pas ce qu'elle allait foutre ici. Par contre, la prof de sport, je sais pas qu'est-ce qu'elle s'amuse à regarder. Ouais, elle est belle, la vue, hein. J'adore contempler les cerisiers. Les feuilles qui tombent, le printemps qui commence, c'est magnifique. Un corps démembré? Un corps démembré? Non, pas encore. Alors, Amai, est-ce que je peux te parler? Oui. Alors, je peux déjà m'excuser. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas te stalker. Non, non, c'est juste que... Voilà, je suis un petit peu nouvelle dans l'école comme toi, tu vois. Je suis un petit peu gauche, je ne connais pas les habitudes qu'il faut faire, voilà, etc. Je voulais me faire des amis, tu vois, t'avais l'air sympa, donc bon. Bah, justement, en parlant d'amis, j'aimerais bien être ami avec toi, donc voyons voir le task. Alors, attends, si j'ai bien compris avec mon anglais, très approximatif. Bon, là, on a une image d'Octodog. Amai voudrait 9 cobayes pour son dernier test culinaire, enfin sa création. Alors, il faudrait les prendre dans le Home ECG Fridge. La chambre froide, peut-être? Ou un frigo, tout simplement? Non, je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, attends, on va accepter. Alors, si j'ai bien compris, je crois que c'est juste des personnes test. Et, bah, il faut leur donner à bouffer. Et après, dire ce qu'ils en ont pensé, quoi, tout simplement. Donc. Bon, le problème qu'il y a, c'est que je sais pas si c'est écrit vraiment chambre froide exactement. Attends, on peut carrément mettre du poison. Oh, ouais, ouais, d'accord, ok. Ah, tiens, ça, c'est nouveau, ça. Tiens, ça, c'est pas nouveau aussi, les cheveux qui dépassent du mur. Ouais, parce que home, tu vois, c'est une pièce. C'est pour ça, tu vois, que la traduction, ça me paraît bizarre. Après, sinon, tout simplement, on pourrait avoir le frigo, mais... Alors, je sais pas, moi, la chambre froide, voilà, ça pourrait être là-dedans, mais c'est un peu abusé, tu vois, c'est pas là que je mettrais de la bouffe. The Home EC Fridge. Ah, bah, en fait, c'était juste là, pardon, excusez-moi. Donc, voilà, allez, qui veut goûter? C'est tout frais. Voilà, c'est moi qui les ai préparés, donc... Ah, en plus, je gagne même pas de réputation avec ça. Ok, c'est bon, mais c'était un peu trop salé. Quelque chose comme ça, j'ai cru voir. Tokuko, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, bah... Ouais, ils trouvent tous que c'est un petit peu trop salé, etc. Est-ce que par hasard, je peux les donner à Amai elle-même? Tiens, je sais pas où elle est d'ailleurs. D'accord, où est-ce que vous vous amusez à vous déplacer, Amai? Mais non! Alors, d'accord, elle-même. Bon, bah, et voilà! Tu sais exactement ce qui a besoin d'être fait. Non, mais sérieusement, quoi. Et Saki, pourquoi pas, alors? Ok, c'est un peu trop salé. Bon, bah, Amai, bah, voilà. Ouais, même toi, tu l'as dit que c'était...
c'était trop salé. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, je suis ami avec elle, c'est parfait. Donc on va essayer, pourquoi pas, de socialiser avec elle. Oh bah tiens, on a déjà passé la barre de l'amitié. Donc allez, je vais faire une négative remarque, pourquoi pas, sur la violence. Tu m'as l'air gentil, donc je pense que, voilà, elle aime pas trop ça, effectivement. Oui, parce que maintenant, ça a changé un petit peu, hein. Avant, beaucoup de gens n'aimaient pas la violence. Maintenant, c'est un petit peu random. Enfin, c'est plutôt neutre, etc. Mais à Maï, tu vois, je m'en doutais. Positive remarque. Pas sur la cuisine, hein, forcément. Et ensuite, on lui donne un petit peu de sous. Le reste, je sais pas exactement. Donc, ok, on est amis avec toi. Est-ce que, par hasard, tu accepterais de nous suivre? Ok, un petit peu occupé maintenant. Ouais, je pense qu'il n'y a pas tous les moments où elle est disponible, hein, pourquoi pas. Par contre, à Maï, est-ce que... Attends, on va peut-être attendre qu'elle rentre. Est-ce que, par hasard, je peux rejoindre ton club? Voilà, super, comme ça, on est super amis et tout, tu vois. Par contre, hein, il manque un plateau pour moi, comment on fait? Ouais, bon, il y en a un ici, mais je peux rien faire. Parce que je suis débutante, c'est ça? Sinon, je peux utiliser le micro-ondes, hein. Bah, donnez-moi vos plats, je les mets au micro-ondes. Donne-moi ton plat, je te dis. Sinon, il va aller à la poubelle, hein, moi, je... Pardon, bah, désolé, je voulais pas poutrer. Il est très bon ton plat. Il en a même plus. Attends, je l'ai fait bugger leur plat, attends. Là, regarde, les plats, ils ont disparu. Comment faire disparaître des plats? Le truc était même pas fait exprès. Ah Maï, ton plat aussi, il va disparaître. Ça va, j'ai assez de réputation, vous inquiétez pas. Bon, en fait, je crois qu'Ayano les a vraiment foutus dans le sac poubelle, tu vois, comme par magie. Est-ce que par hasard, je peux faire disparaître des livres? Oui. Mais est-ce que ça va revenir? Ouais, elle les avait mis miraculeusement dans sa poche. Ouais, me regarde pas comme ça! C'est bon, c'est qu'un sac poubelle, là. Tout de suite, vous êtes outrés. Tout de suite, vous pensez à des meurtres ou je sais pas quoi? Non, mais oh. Bah tiens, en parlant de meurtres, je vais voir si la bonne vieille méthode fonctionne. C'est-à-dire, je vais prendre... des écouteurs, voilà. Pourquoi pas un petit tournevis? Tiens, en vrai, c'est sympa. Je sais pas où il est allé maintenant que Amaï, elle est là. Parce que sinon, il aurait pu avoir une belle vue sur ses fesses, hein. Il paraît qu'il est allé se balader. Attends, c'est pas lui, là, par hasard? Ah bah oui, c'est ça. Eh, sympa, tu sais que ici, enfin, c'est l'autre côté, mais ça peut faire un bel endroit pour confesser notre amour ou apprendre à se connaître. Un date, non? Bon, oh, bah ok, ça sera la semaine 11, alors je le sais. Voilà, je suis la 11e sur ta liste de préférés, donc, bah, Osana, c'était la première, Amaï, c'est la deuxième, c'est pas ça du tout, mais pourquoi pas. Alors, Amaï, en espérant que ça soit elle qui réagisse. Non, toi, tu dégages, toi, déjà. Bon, la méthode du tournevis, ça risque d'être un petit peu compliqué, là, pour le coup, parce que, attends, quoique, Amaï a remarqué également, mais attends, parce que là, il y en a qui sont un peu trop nombreux, là. Ouais, c'est Agia qui va la ramasser, pourquoi pas. Oh! Oh, regardez les textures de la piscine, elle a changé. Ouais, juste l'extérieur, quoi. Bon, ok, à la limite, je crois qu'il faut plutôt attendre un moment plus opportun. Alors, Amaï, maintenant que tu... Alors, attends, voir. Elle est en événement. Est-ce que par hasard, au temps de midi, tu voudrais bien accepter de me suivre ou pas? Toujours pas, d'accord, très bien. Par contre, apparemment, elle ne mange pas et personne non plus. En fait, ouais, il mange carrément des gâteaux qui n'existent toujours pas. Mais voilà, ça remplace les bento. Donc, ok, la méthode d'élimination du poison ne fonctionne pas. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement demander aux gens de partir. Et comme ça, ça fait plus de chances pour que Amaï réagisse au tournevis. Non, Midori, non. Laisse Amaï le faire. Non. Ah, Amaï. Voilà, enfin. Allez, j'espère que tu vas le ramasser. Oui, cette bonne méthode fonctionne toujours. Et... personne ne la suit, donc écoutez, bah c'est parfait. Ah, autant pour moi, il y en a quand même certains qui mangent leur bento. Ah, merde, la porte s'est réouverte. Mais bon, c'est pas grave, normalement, je devrais avoir le temps de l'étrangler avant que quelqu'un n'arrive. Le cadavre, on s'en fiche. Vous savez quoi, je laisse même les écouteurs à côté pour voir si la police se dit tiens, elle était morte par étranglement. Les écouteurs, ah, ils ont subi une certaine tension. Tu vois, ça m'étonne. Moi, je vois mes écouteurs, j'ai pas l'impression qu'ils résistent, hein, quand même, hein. Tu vois, tu tires un peu fort dessus. Bon, ça peut te faire mal au cou, mais pas au point d'étrangler, quoi. Pas les écouteurs que j'ai. Je pense qu'ils pèteraient bien avant. Je sais, parce que j'ai déjà tiré dessus sans faire exprès. Je les ai
êtes pété. Corde à sauter, je veux bien croire que ça marche plus, hein. Bref, on va rigoler un bon coup. Eh oui, et relever les empreintes sur les écouteurs, etc. Mais bon, peu importe. Donc on met la fin de la journée et on regarde qu'est-ce que ça donne. Parce que là, pour le coup, Amai, elle a été éliminée, mais très facilement, hein. Donc la police arrive à l'école. Donc elle trouve le corps de Amai. Et incapable de localiser l'arme du crime. Pourtant, elle était à côté, hein, encore une fois. Ah bah tiens, ça s'est transformé en troller la police. Vous inquiétez pas, il va y avoir ça avec spécial Amai. Elle questionne tous les étudiants, y compris Ayano, qu'elle n'arrive pas à lier au crime, très bien. Et donc la police se pète, voilà, et Senpai est dévasté pour une deuxième fois, voilà, parce que c'est une deuxième meuf qui ne veut pas de lui. Enfin là, elle était morte, donc voilà, on comprend. Bref, Ayano retourne à la maison. Alors, est-ce qu'on a le droit à une cérémonie pour Amai ou pas? Bon, la réponse est oui. Ça paraissait évident quand même. Et comme toujours, je suis exclu de la cérémonie. Et toujours ce bug d'interaction avec les portes. Génial. Osana est de retour. Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, Osana? T'étais tellement belle avant. Bon, elle l'est toujours, mais je préférais que ses cheveux longs. Alors oui, Osana est de retour parce qu'en fait, je l'ai juste écarté en baissant sa réputation. Et le lundi, je l'ai réaugmenté. Voilà, je lui ai donné une sacrée réputation parce que je ne veux pas éliminer ma pauvre petite préférée. Donc elle a passé une sale semaine, mais maintenant ça va. Ah, regardez, le chef club a pu la remplacer. Dis donc, ça a été super rapide quand même. Mais au moins, le club, il reste ouvert, voilà, même en tuant les chefs club. Est-ce que ça sera peut-être pareil avec Kizana et Oka? Parce que... et peut-être même Asurito, parce qu'il faut pas oublier que... toutes celles que je viens dénoncer sont des chefs club, mais qui sont pas présentes pour le moment, donc on a les chefs club provisoires que voici. Donc voilà, ça aura répondu à une question supplémentaire, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, si vous tuez le chef club, tu vois qu'il n'y a pas de chef club remplaçant, etc., ben le club il ferme, hein, même si assez de membres, hein, on a pu tester, la vidéo est en... Le lien de la vidéo est en description, pardon. Non, bref, maintenant ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir si on a une cinématique de fin avec la rencontre de Senpai et Kizana. Alors, nous sommes samedi, et très bien, de la semaine 2, et... Bon, déjà, elle est toujours en train de déprimer à son arrêt de bus. Est-ce que ça va être une boucle avec Amai? Ah non! Ok. Ah, je savais pas, hein, parce que j'ai survolé un petit peu le site de Yandere Dev, et... Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, attends voir... Ah oui, c'est vrai, ok, il n'y a pas de doublage, etc. Donc, bon, un air de mélancolie sur son visage, etc. Je peux sentir ta douleur. Parfait pour un drama, tu es absolument parfait. Voilà, tu vas jouer un rôle. Eh, j'aurais jamais cru dire ça, mais en vrai, Kizana, comme ça... Elle est un peu mignonne. Bon, bref. Bon, écoutez, on va passer un petit peu tout ça parce que de toute façon, ce qui nous intéresse, nous. Bon, écoutez, on va passer un petit peu tout ça parce que de toute façon, je vais sortir une vidéo qui, où on aura toutes les cinématiques pour ceux que ça intéresse. Et donc là, je parie qu'on va avoir un Info-chan de manière absolument pas discrète qui va prendre une photo. Oui, non? Attends, on a un recul caméra avec une musique, oui, voilà, c'est ça, avec une musique un petit peu, de suspense, etc. Mais voilà. Non mais à peine pas discret quoi. Enfin Senpai, ok, il voit pas, mais Kizana quand même. Oh attendez, week-end 3, est-ce qu'on a le droit à un Kizana challenge? Pas du tout. C'est pas proposé, on peut juste continuer. Je parie qu'en fait ça va être la démo. Ah voilà, ok, bon. Bon bah écoutez les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Alors j'ai pas décidé d'approfondir plus que ça, parce qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos pour ça. Beaucoup de tests aussi. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, vous abonner, le blabla habituel. Et sur ce, bah c'était Valmont Jack. Et moi, je vous dis à la prochaine.